On va acclamer pour la gloire de Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer réellement? Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer que ça? Alléluia, tes acclamations sont encore un peu timides. On va faire mieux que ça pour Dieu. Est-ce qu'on peut réellement acclamer? Est-ce qu'on peut même pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne peut m'aider à pousser des cris de joie? Alléluia, nous voulons dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Alors nous allons le célébrer ensemble là où tu es. Lève-toi, célèbre-le et nous allons dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Tu peux lâcher des petits pas de danse là où tu es pour célébrer ton Dieu. Alléluia. Continue à acclamer le nom de Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Nous sommes là pour le célébrer. Oh, il n'y a personne. Le nom de Jésus là où il est. Je vois encore des personnes qui n'acclament pas le nom de Jésus. Nous sommes là pour le célébrer. Est-ce que tu peux l'acclamer et pousser des cris de joie? Oh, nous voulons dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Oh, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. J'ai cherché, il n'y a personne. Personne comme Jésus.
personne. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer réellement? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie s'il croit qu'il n'y a personne comme Jésus? Si tu crois qu'il n'y a personne comme Jésus, tu peux faire mieux que ça. Pousse des cris de joie. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Encore. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Encore. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Est-ce que tu peux acclamer si tu crois qu'il n'y a personne qui est comme Jésus? Oui, nous avons cherché dans le monde. Nous avons cherché parmi les médecins les plus renommés. Nous avons cherché parmi les professeurs les plus intelligents. Mais nous n'avons trouvé personne qui soit comme Jésus. J'ai cherché parmi ma famille, parmi mon père, parmi mon frère, parmi mes enfants, parmi ma femme. Mais je n'ai vu personne qui était comme Jésus. J'ai cherché à mon travail et personne n'était comme Jésus. Si tu le crois, bien-aimé dans le Seigneur, avance avec la foi. Dieu est capable de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer si tu crois que Dieu est capable de faire? Est-ce que tu peux même balancer ta main là où tu es? Nous allons le déclarer ensemble. Nous avons dit qu'il n'y a personne comme Jésus. Donc il n'y a personne qui peut agir comme Dieu, comme Jésus. On va le déclarer ensemble. Et... le nom de Jésus. Oh, nous avons dit rencontre prophétique, dont Dieu va faire quelque chose encore aujourd'hui. Nous allons déclarer ensemble. Oh, 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 et Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Encore. Dieu est capable de faire.
qu'on fasse quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Désolé avec la télé ici, je ne vous vois pas ici. Est-ce qu'on peut réellement acclamer ensemble? On acclame, on acclame, on acclame. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie avec moi? Est-ce qu'une personne qui croit que Dieu est capable peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne qui croit que Dieu est capable peut acclamer mieux que ça? Nous sommes en train de déclarer qu'il fera. Oh, nous allons dire encore ensemble. Il croit en lui, il agira. Si tu le crois, il le fera. Il fera, il fera, il fera, il fera. Oui, je le crois, je le déclare. Oui, j'acclame mon Dieu car il fera. Je le crois car il fera. J'acclame, je ne cesse d'acclamer. Car derrière mes acclamations, quelque chose va se passer. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Je vais te dire, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Si tu ne le croyais pas, j'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ton exploit, ce n'est pas mon exploit, ce n'est pas que mon exploit. Je le crois, c'est mon exploit, mais c'est ton exploit à toi aussi. Mais quelque chose va se passer, Dieu fera. Dans cet exploit, si tu attendais quelque chose de la part de Dieu, Dieu va le faire. Car ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Si tu le crois, tu vas le acclamer encore avec moi. Et nous allons encore redire. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Tu peux acclamer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le là où tu es. Oh, tes acclamations me font peur. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Nous avons parlé d'un Dieu qui est capable de faire. Oh, mon Dieu est capable de faire. Je le crois. Je l'affirme. Je crois qu'il est capable de faire. Je sais qu'il est capable. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toutes ses promesses. Et là, juste pour ce moment-là, maintenant, j'aimerais vous inviter juste à fermer vos yeux et à élever vos mains. Juste fermer vos yeux et élever vos mains. Nous allons demander sa présence. Nous allons demander sa présence. Sa présence qui puisse vraiment régner au milieu de nous. Est-ce que la chorale, vous pouvez aider à prier? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à invoquer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à invoquer la présence de Dieu? Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence maintenant. Maintenant, c'est ta présence dont nous avons besoin. C'est ta présence dont nous avons besoin. Est-ce que vous pouvez élever vos voix là où vous êtes? Oh, ta présence, uniquement ta présence. Je veux ta présence, mon Dieu, mon Dieu. Je veux ta présence.
chant est fin. Commence juste à élever la présence de notre Dieu. Demande sa présence. Mon Dieu, c'est ta présence dont nous avons besoin maintenant. C'est seulement ta présence à toi, mon Dieu. C'est ta présence dont nous avons besoin maintenant. Oh mon Dieu. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence. C'est ta présence dont nous avons besoin maintenant. Seigneur, s'il te plaît, montre-toi à nous. Montre-toi à nous. En cette période, nous voulons effectuer notre rencontre avec toi. Rencontre avec toi, Seigneur. C'est maintenant que nous avons besoin de toi. Seigneur, montre-toi à nous. Nous avons besoin de toi. Ouvre le ciel sur nous, Seigneur. Ouvre le ciel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses étendre ta main sur cet événement. Étends ta main sur la vie de quelqu'un qui s'attend à toi. Étends ta main sur la vie de quelqu'un qui s'attend à toi. Continue à élever ta voix dans ce sens. Nous disons, je veux ta présence, je veux ta présence. Je ne veux pas la présence de quelqu'un d'autre, juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur, c'est de ta présence dont j'ai besoin maintenant. Seigneur, s'il te plaît, montre-toi à moi. Montre-toi à moi. Oh, fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Je désire t'entendre maintenant. Ne passe pas à côté de moi. Ne passe pas à côté de quelqu'un. C'est le désir de mon cœur, s'il te plaît, Seigneur. Ne passe pas à côté de moi. Que ce soit ta prière vers ton Dieu. Ne passe pas à côté de moi, Seigneur. Oh. Oh.
je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains là où il est? Nous disons je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Je m'attends à toi.
Je veux acclamer s'il te plaît. Acclame le nom de Jésus si tu crois qu'il y a puissance dans ce nom. Dans son nom, celui qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise toutes choses, tout lien, toute chose est brisée dans le nom de Jésus. Oh, déclarons ensemble, il y a puissance dans le nom. J'entends les chaînes tomber et je vois des gens encore qui sont encore debout. Au lieu d'acclamer parce que les chaînes sont en train de tomber, si tu crois que les chaînes sont en train de tomber, tu vas même pousser des cris de joie parce que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes en train de faire notre rencontre avec le Père et parce que nous sommes en train de faire notre rencontre, les chaînes sont en train de tomber. Déclare-le encore, nous allons dire, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Je veux voir tes chaînes.
transformer dans le nom de Jésus ce soir. Voilà pourquoi, Père, mon désir est que tu puisses moindre ma tête afin que ma bouche déborde. Soutiens-moi,
ce lieu. Nous venons à ta rencontre ce soir. Et alors que nous contemplons dans le miroir, Seigneur mon Dieu, à visage découvert ta gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, Seigneur, nous voulons aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Nous voulons aller voir ta gloire. À la rencontre de ta gloire ce soir. À la rencontre de ta gloire. Moi
aller plus loin avec toi ce soir. Je veux aller là où tu es dans tes temps. Et me voir à ta face. Chacun va faire ta rencontre. Il n'est pas parti. Il est parti. Et il a eu ta face. Il a vu ta face. Je veux voir ta face ce soir. Je sais que si je vais là où tu es, tout est fini. Tu peux t'avancer. J'irai plus haut. Seront brisés dans le nom de Jésus. Car aucun nom n'est comme toi. J'irai plus haut. Qui t'est favorable pour chanter ce chant. Nous disons réalité dans l'homme.
l'Esprit de l'Éternel te saisit ce soir. Et tu vas être changé. Et tu vas être transformé. Et tu ne seras plus la même personne. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel te saisit. L'Esprit de l'Éternel te saisit. Ce soir, tu es saisi par l'Esprit de l'Éternel. Alors que nos mains les relevées vers le ciel, vers notre Dieu, alors que son esprit descend, Seigneur, pour saisir un homme, une femme, libérer un homme, une femme des chaînes de Satan, des liens maléfiques, des puissances des ténèbres, du royaume des ténèbres, les transporter vers le royaume de son amour, l'Esprit de l'Éternel qui est saisi en réalité dans l'homme. C'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, son Esprit est là, il 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 est sous toi, il est sous toi, il est sous toi, il est en toi. Restez connecté. Laisse ton cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit ce soir. Tu es venu à la rencontre prophétique. Tu es venu rencontrer celui qui est la vie. Tu es venu rencontrer celui qui sauve. Tu es venu rencontrer celui qui donne du travail. Tu es venu rencontrer celui qui guérit. Celui qui délivre. Les dieux des opportunités, les dieux des destinées, Jéhovah, oh, que ton nom soit élevé ce soir, Seigneur. Sois élevé. Rencontrer Dieu en personne. Tu as répondu à une invitation. Bien-aimé, si tu pouvais voir ce qui se passe dans le monde spirituel, comment Dieu, depuis que ce programme a commencé à ouvrir les fenêtres des cieux pour que toutes les provisions, les bénédictions tombe sur nous comme la neige, comme
la pluie de l'arrière-saison et que nous soyons tous bénéficiaires des grâces, des dons, alléluia, de cette gloire de Dieu qui est au milieu de nous. Et ce soir, alors que l'Esprit de l'Éternel te saisit, tu seras une autre personne. Tu ne peux pas imaginer la dimension de puissance, d'onction dans laquelle l'Église et le peuple de Dieu se trouvent en ce moment. Et alors ce soir, sois sensible à l'action du Saint-Esprit. Ne sois pas dans la distraction. Aie le regard sur la croix. Aie le regard sur Jésus. Viens dans sa présence. Sa présence glorieuse. Sa sainte présence. Tu es venu chercher. Mais ce soir, Jésus te dit, je vais te décharger. La vie est pesante sur toi, mais ce soir, elle sera légère sur toi. La vie est compliquée pour toi. Les choses de la vie se compliquent, mais ce soir, elles seront simplifiées. Parce que Jésus commence à te prendre en charge. Que la grâce notre Seigneur est sauveur. Nous allons lire la parole de Dieu pendant que nous sommes debout. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 11, du verset 28, la parole de Dieu est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que ce soir, quelqu'un est prêt à accepter cette invitation du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt? Accepter cette invitation du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt à venir à la source? Est-ce que quelqu'un est prêt à venir à la source de la bénédiction? Est-ce que quelqu'un est prêt à venir à la source de la puissance? Est-ce que quelqu'un est prêt à venir à la source des richesses? Jésus dit, venez. Nous allons nous asseoir. Merci chorale. Est-ce que nous pouvons encourager encore nos chantres et nos musiciens qui nous font monter dans l'adoration prophétique?
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez inviter des gens chez vous, vous faites en sorte que le nombre de personnes que vous invitez soit limité, circonscrit en fonction de la capacité d'accueil. Peut-être que vous avez, je ne sais pas pourquoi vous les invitez, à quoi vous les invitez. Mais ce qui est sûr, une invitation n'est jamais et n'a jamais été ouverte. Parce que si vous laissez l'invitation ouverte et que vous avez une capacité, par exemple, de recevoir 100 personnes, mais que vous vous laissez une invitation ouverte, et donc vous allez voir 1000 personnes venir chez vous, et comment vous allez accueillir ces 1000 personnes? Comment? Mais là, ce n'est pas un homme qui invite. Celui qui invite là, vous savez, si nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre, il est mort à la croix pour les 7 milliards. Et s'il a porté des fardeaux, il a porté des malédictions, il a porté des maladies, il a porté tous les problèmes, tous les fardeaux des 7 milliards de personnes. Bien-aimés, vous pouvez imaginer même les nations les plus nanties, les plus puissantes, réfléchissent et de la manière dont il faut verrouiller les frontières pour que et tous ne viennent pas chez eux. Parce que ce n'est pas possible d'accueillir tout le monde. Et nous sommes dans un pays où un ancien premier ministre disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais je parle de quelqu'un qui accueille toute la misère du monde. Je parle de quelqu'un qui prend toutes les maladies et même les plus incurables. Je parle de quelqu'un qui prend même des choses futiles, des bêtises, même des choses inutiles, de tous. Et quelqu'un qui prend à la fois les bons, les mauvais, les justes, les méchants. Et il accepte à rencontrer, à recevoir même des criminels, des assassins. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos.
De quelle fatigue s'agit-il? De quelle fatigue Jésus parle-t-il? Il est normal que chacun pense à la fatigue physique. Quand tu as travaillé la journée comme la nuit, après un laps de temps passé à travailler, on peut ressentir la fatigue physique dans le corps. Et là, souvent on dit qu'on a besoin de se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. Le corps a besoin de récupérer. Et c'est le repos qui fait récupérer le corps. Mais est-ce qu'ici Jésus parle de cette fatigue physique? Jésus parle de la fatigue spirituelle. Jésus invite des hommes et des femmes qui sont fatigués du péché, qui sont fatigués de maladies, qui sont fatigués des allers-retours entre leur domicile et l'hôpital, qui sont fatigués des discours des hommes, des discours décourageants. Qui sont fatigués des problèmes de la vie, qui sont chargés de dettes, qui sont chargés de courriers, qui sont chargés des insultes, qui sont chargés de déceptions, de trahisons. La Bible dit qu'il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parce que la fatigue spirituelle va jusqu'à briser le cœur de quelqu'un. Vous savez, quand vous êtes fatigué physiquement et que vous allez au lit, et vous allez avoir un bon sommeil. Parce que la fatigue physique peut produire un bon sommeil. Et vous allez bien vous endormir. Et peut-être vous aurez du mal à vous relever. Mais quand vous êtes fatigué spirituellement, et que vous allez au lit, contrairement à la fatigue physique qui peut produire le sommeil, la fatigue spirituelle produit l'insomnie. Voyez-vous toute cette différence? La fatigue physique va vous donner du sommeil. Mais quand vous êtes fatigué spirituellement, vous avez des soucis. Vous êtes pensif. Vous êtes découragé. Vous avez été victime de l'injustice. Vous avez connu une enfance difficile. Une enfance douloureuse. Vous avez un passé lourd qui pèse sur vous. De mauvais souvenirs, des souvenirs du passé qui reviennent toujours. Et quand vous pouvez regarder en rétro les films de votre vie passée, vous pensez être inutile. Et cela
peut vous faire penser même au suicide. Vous êtes chargé de questionnements, chargé des interrogations, chargé de la tristesse. Vous pensez à un moment donné que votre vie a été abîmée, que votre vie a été détruite. Mais la vie, l'avenir devient pour vous une fatalité. Jésus vous regarde. Il vous voit ainsi. Et dit, venez. Venez avec tout cela. Bien-aimé, dans ce texte, il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a quelque chose de paradoxe. Un fardeau, c'est un poids. Il n'y a pas de légèreté dans un poids. Un poids n'est pas léger. Un fardeau, c'est un poids, c'est lourd. Mais Jésus dit, mon fardeau est léger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on vous demande de soulever un poids, un objet qui pèse 20 kilos, si vous le soulevez seul, vous avez 20 kilos entre vos mains. Et vous allez ressentir la chose pesante. Mais si vous soulevez 20 kilos à deux, donc le poids de 20 divisé par deux devient un poids, un fardeau, 10, mais c'est léger. Même un enfant et de 10 ans peut soulever 10 kilos. Donc Jésus parle de ce poids qui est léger parce que lorsque vous acceptez cette invitation, vous venez à lui, il porte votre fardeau avec lui et sur lui. Et donc il vous débarrasse de tous les poids qui pèsent sur vous. Et ce poids qui fait de vous un homme, une femme fatiguée, fatigant, qui n'a pas sommeil, qui a perdu même le sens de la vie, le goût de la vie, qui ne sait où se réfugier. Les uns vont aller se réfugier dans l'alcool. Mais au contraire, au lieu de résoudre les problèmes dans ces refuges, c'est un refuge de la destruction de la vie. Les jeunes vont aller se réfugier et dans la drogue, mais au lieu de résoudre leurs problèmes, c'est un refuge qui va détruire complètement leur avenir et leur vie. D'autres vont trouver refuge dans la prostitution. Mais c'est un refuge qui va complètement détruire leur vie. Jésus est le seul refuge qui t'invite. Viens, tu es fatigué de ta maladie. Et il a porté toutes ces maladies à la croix. La Bible dit que par ce maître sûr, nous avons été guéris. Tu es fatigué des dettes. Tu es fatigué des problèmes financiers. Mais la Bible dit qu'il a porté tes dettes.
à la croix. Parce qu'à la croix, il s'est appauvri afin que toi, tu sois enrichi. Ce soir, Jésus t'appelle. Toi qui n'as jamais la paix. Toi qui vis dans le tourment, fatigué de la maladie, fatigué de médicaments, il est possible avec Jésus. Lorsque l'homme te dit que tu feras avec toute ta vie, que cette maladie ne te quittera pas. Mais la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu viens à Christ avec ta maladie, avec tes médicaments, peut-être que ta chambre à coucher est devenue une pharmacie où on peut aller voir des cartons et des cartons et des cartons de médicaments. Tu prends 20 comprimés, 15 comprimés, 10 comprimés, je ne sais pas, par jour, matin, midi, soir, et le problème ne finit pas, la maladie ne te quitte pas. À un moment donné, tu te dis, je suis fatigué, je ne veux plus toucher aux médicaments, je suis fatigué. Fatigué des rendez-vous, des hôpitaux. Fatigué du poids de la maladie sur les corps. À un moment donné, tu dis, ce n'est plus une vie. Et la maladie t'a chargé. Les problèmes de la vie t'ont chargé. Les célibats t'ont chargé. Les liens de malédiction t'ont chargé. Je suis fatigué de ma famille. Tout va mal dans la famille. Je viens d'une famille à problème. Je suis fatigué de cette famille. Je suis fatigué de ces choses, de ces problèmes. Et c'est les mêmes problèmes qui reviennent. L'une des clauses du cahier de charge du Seigneur, c'est de guérir les personnes qui souffrent de blessures intérieures, qui résultent des déceptions de la vie, des échecs de la vie. Et ces blessures intérieures, ils vont produire dans l'homme des maladies psychosomatiques, des maladies qui ne guérissent point. Mais Jésus est la médecine de Dieu. La Bible dit qu'il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il guérit celui qui a l'âme brisée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sortiras pas avec tes fardeaux ce soir, tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas avec ta maladie ce soir, tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas avec ton désespoir ce soir, parce qu'en Jésus, il y a de l'espérance. Il y a une espérance en Jésus. Tu vas trouver ce que tu espères dans la vie. En Jésus, qui va abandonner le découragement. En Jésus, tu vas être relevé aujourd'hui. Tu vas être restauré aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement, accepte seulement. Dis oui, Seigneur, me voici avec mes problèmes, avec mes fardeaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Le monde en a marre de tes problèmes. Peut-être que tu ne les sais pas. Ceux à qui tu te confies en ont marre de tes problèmes. Et je peux aller plus loin. Marre de toi.
Et ils n'attendent qu'un moment où ils vont te dire, ne me parle plus de ça. J'ai regardé une émission avec ma chère maman, Mama Costa. Charmante Mama Costa. Et c'est une femme qui rencontre un homme. Et une femme qui a connu une enfance à un passé douloureux. Sa vie est criblée de blessures intérieures, de chocs émotionnels, de déceptions. Et l'homme a tant rencontré une belle créature. Au demeurant, il est content de rencontrer cette femme. Et quand la femme commence à lui parler de sa vie, écoutez la réaction de l'homme. De, oh, ah, 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 moi, je ne suis pas un thérapeute. Non, 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 non. Je ne peux pas me mettre avec toi. Je ne suis pas un thérapeute. Il croyait rencontrer une femme qui n'a pas de problème, qui n'a pas de blessure, qui a la joie. Mais là, il rencontre une femme qui vient avec une panoplie de doléances. Mon père, ma mère, ma famille, par le passé. J'étais victime. On m'a fait ça. J'ai beaucoup souffert. Le monsieur dit non, 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 non. Et la phrase que nous avons retenue, je ne suis pas un thérapeute. Donc, l'aventure s'arrête là. Mais Jésus, Jésus, c'est un thérapeute. Jésus, c'est celui qui aime entendre ceux qui souffrent. Jésus, c'est celui qui aime entendre ceux qui pleurent. Jésus, c'est celui qui aime entendre que tu lui racontes ta vie, ton passé, tes douleurs, tes problèmes, ton fardeau, que tu viennes avec, que tu lui donnes ça. Oh, Jésus aime ça parce qu'il dit qu'il est venu pour les malades. Il n'y a pas de médecin pour des personnes en bonne santé. Il n'y a pas un hôpital pour des personnes en bonne santé. La charge d'écouter ceux qui souffrent, ceux dont des vies sont brisées, abîmées. Mais Jésus n'est pas qu'un thérapeute. Tu peux sortir du cabinet du psychologue. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Il te fait parler, il te fait parler. Au finish. Merci, au revoir. Non! Jésus, non seulement qu'il l'entend, non seulement que tu lui parles, quand tu l'entends, quand il te voit, il résout les problèmes. Il a la solution à tes problèmes. Il résout les problèmes. Il règle les problèmes. Si tu viens auprès de Jésus avec un corps abîmé, une vie abîmée, Jésus te restaure, il te répare, il te recrée, il te refait. Tu ne retournes pas tel que tu es venu. Donc ce soir, tu as quelqu'un qui va te supporter, qui va accepter. Qui va prendre
tes fardeaux, qui va prendre ta maladie. Pendant que je parle, il y a une femme en ce lieu qui prend beaucoup de médicaments. Mais pendant que je parle, je vois cette femme en train de se poser la question de savoir si elle va continuer à prendre les médicaments ou ce soir elle arrête. Je voudrais te dire, ma soeur, que tu vas arrêter. Je voudrais te dire que tu vas arrêter. Parce que la guérison surnaturelle va te surprendre. Ce soir, il va se passer des guérisons miraculeuses en ce lieu. Ce soir, je vois des cœurs qui brûlent, des personnes qui souffrent de blessures intérieures, du rejet, du manque d'amour, de manque de reconnaissance, des cœurs qui saignent. Jésus va panser ton cœur qui saigne avec son sang. Et les plaies de ton cœur, l'être intérieur, seront cicatrisées. Tu vas recevoir la guérison. Les blessures intérieures se sont érigées en blocage d'échec dans ta vie. Et Jésus est là pour te guérir de toute blessure intérieure. Je vois une femme qui pleure, qui dit, j'ai la haine de cet homme-là. Il a détruit ma vie. Cet homme m'a détruit. Je suis en train de te dire, ma soeur, libère ton cœur au pardon. Parce qu'il y a un autre qui va te restaurer, qui va te rétablir. Ce qui est abîmé, Jésus répare. Il restaure. Et personne ne va te reconnaître. Quand Jésus venait de guérir un paralytique, un mendiant, et que le monde retrouve cet homme dans le temple, en les regardant, ceux qui les connaissaient auparavant se posaient la question de savoir, c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais il leur a donné matière à réflexion. Et lui, il était tranquille. Parce que Jésus l'a transformé. Jésus l'a restauré. Jésus l'a changé. Je vais te dire que tu seras tranquille. Tu vas donner matière à réflexion au monde. Et les gens vont commencer à se poser des questions. C'est elle ou ce n'est pas elle. Mais c'est toi. Les réparateurs. Des hommes et des femmes qui ont été détruits par les démons, par les sorciers, par les puissances des ténèbres. Jésus répare tout cela. Il prend les fardeaux. Finis la fatigue spirituelle. Toi qui n'as pas sommeil, ce soir tu vas dormir comme un bébé. Toi qui prends des médicaments pour dormir, finis les somnifères. Ce soir tu vas dormir sans somnifère. D'ailleurs, je libère un sommeil surnaturel sur toi au nom de Jésus. Je libère un sommeil surnaturel au nom de Jésus. Tu vas faire une nouvelle expérience ce soir. Ne touche pas au somnifère ce soir. Tu vas faire une nouvelle expérience. Parce qu'il y a un sommeil derrière là où tu es. Tu commences déjà à sentir un sommeil. Tu commences à sentir comme si ton corps s'est fatigué parce qu'il y a un sommeil qui vient sur toi. Tu ne seras pas la même personne. Lève-toi avec tes fardeaux. Lève-toi avec tes pleurs. Lève-toi avec ton cœur qui saigne, ton cœur brisé. Jésus a la compassion, l'amour, la miséricorde. Pitié, ô Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui pleurent nuit et jour,
qui sont fatigués de la vie, qui sont fatigués du travail, qui sont fatigués des dettes, qui sont fatigués des maladies, qui sont fatigués du désespoir. Toi, tu es venu en réparateur, restaurateur, thérapeute. Non seulement que tu vois la souffrance, non seulement que tu vois les problèmes de ton peuple, mais tu descends pour les délivrer. Il y a une onction spéciale sur les cœurs brisés. Il y a une onction spéciale, non seulement que tu reçois la guérison intérieure, pendant que je parle, tu as l'impression comme si ton cœur est touché. Pendant que je parle, tu sens le battement de ton cœur. Oh, beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de maladies psychosomatiques qui viennent des blessures intérieures. Jésus est là pour te guérir. Les maladies vont s'enfuir. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Aucune maladie ne peut nous résister. Aucun fardeau ne peut nous résister. Oh! D'inquiétude, ton cœur est brisé, tu pleures beaucoup, tu es découragé. Les inquiétudes pour le lendemain, tes tourmentes. Ta vie est dans le tourment. Tu portes un fardeau. Fardeau d'échec. Mais aussi un fardeau de culpabilité. Tu t'accuses toi-même. Tu te condamnes toi-même. Pendant que je parle, pose ta main sur ton cœur. Jésus veut t'offrir le repos. Le repos du salut, le repos de la paix, le repos de l'amour, le repos de la joie, le repos de l'espérance. Tu peux encore espérer, car Jésus te restaure ce soir. Pose ta main sur ton cœur pour recevoir cette guérison intérieure, et cette guérison va libérer toute ta vie, ta situation, ta destinée. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit. Oh,
Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il panse leurs blessures. Et la Bible dit qu'il est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Reçois la guérison intérieure. Jésus est près de toi. Il est près de toi. Il te touche maintenant. Il touche ton corps. Il touche ton cœur pour te guérir de toutes les blessures intérieures. Reçois, 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 reçois la guérison intérieure. C'est ta saison. C'est ta saison. La saison de la guérison. La saison de la guérison. La paix de Dieu est avec toi. La joie du Seigneur est ta force. Oh, rab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 a. Je vais te donner un signe de ta guérison intérieure. La joie commence maintenant à remplir ton cœur. Je parle de la joie. La joie, la joie commence à remplir ton cœur maintenant. La joie commence à remplir ton cœur. Elle déborde, elle déborde, elle déborde. Elle va commencer à se manifester maintenant. Elle déborde dans ton cœur. Oh, il y a une joie qui déborde dans ton cœur, qui va commencer à se manifester. Tu ne pourras pas la cacher. Tu ne pourras pas la cacher. Elle se manifeste. Tu avais un visage triste. La joie du Seigneur change ton visage. Et tu ne sortiras pas avec un visage triste. Parce que la joie du Seigneur est le signe de la guérison intérieure. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Au nom de Jésus. Oh! Les aveugles voient,
enfants. Mes terribles enfants. Oh, les sourds entendre. Les sourds par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui souffrent de maladies physiques. Maladie physique dans le corps. Tu as un problème de santé. Tu souffres d'une maladie physique. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit maintenant. Aie la foi pour ta guérison. Cette femme a souffert pendant 12 ans, mais quand elle a entendu parler, de Jésus, elle est allée seulement toucher le pan de sa robe. Une force, une puissance est sortie du corps du Seigneur pour toucher cette femme. La puissance et la guérison, comme dans la piscine de Bethsaïda, où un ange descendait et secouait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau recevait la guérison. Pendant que je parle, cette salle est transformée en piscine. L'ange de l'Éternel descend. Et Jésus en personne descend. Pendant que je parle, si tu es malade, l'eau est secouée maintenant. L'eau est secouée maintenant. Il y a un mouvement. Un mouvement du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Lorsque je vais dire, recevez la guérison, sois prêt. Tu vas sentir une force, une puissance qui va traverser ton corps. Je vais t'expliquer quelque chose. Comment les choses se passent dans le surnaturel. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais dans ce chaos, dans cette anarchie, il y avait au-dessus des eaux l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Mais l'Esprit ne pouvait rien faire. L'Esprit était là. L'Esprit n'avait rien fait. L'Esprit était là. Le chaos était là. Le désordre était là. Parce que l'Esprit attend toujours la parole. J'ai dit tout à l'heure que tu es saisi par l'Esprit de l'Éternel. Chaque personne qui est en ces lieux est touchée par l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit qui est en toi. Non, écoute-moi. Paul dit aux Éphésiens, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons par la puissance qui agit en nous. Et au commencement, l'Esprit a attendu jusqu'au jour où la parole est sortie, où Dieu a parlé. Quand je vais dire, recevez la guérison, la parole va libérer,
va libérer ta délivrance, va libérer ta guérison. Tu n'auras pas le corps physique que tu avais il y a quelque temps. Sois prêt, aie la foi, crois que ce soir, cette date restera inoubliable. Lorsque la parole a été libérée, je vis des malades guéris des cancers. Lorsque la parole a été libérée, je vis des malades guéris du sida. Lorsque la parole a été libérée, je vis des malades guéris des myomes, des kystes, des choses qui se sont brûlées dans leur ventre. Si tu es en attente d'une opération, lorsque la parole va être libérée, crois que ton rendez-vous est annulé. Parce que Jésus t'a guéri. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Si tu es malade, sois prêt maintenant. Seigneur Jésus, je viens élever ton nom en ces lieux. Je viens élever ta gloire. Je viens élever ton nom. Je m'élève maintenant contre toutes les puissances des ténèbres, des maladies, des esprits démoniaques, d'envoûtement. Au nom de Jésus, je viens chasser l'esprit d'incrédulité. Je viens chasser l'esprit de doute. Je viens chasser les démons d'incrédulité. Au nom de Jésus, je viens libérer la puissance de la guérison dans le nom de Jésus sur des vies. Je viens briser toute maladie. Que les chaînes de maladie soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Que les liens de maladie soient défaits maintenant dans le nom de Jésus. La puissance de la guérison descend du trône de Dieu pour toucher son peuple. Et maintenant, au nom de Jésus, recevez la guérison. Soyez guéris de toute infirmité, de toute maladie. Oh, recevez.
Seigneur. Dis-lui merci simplement. Rends grâce à Dieu pour ta guérison. Dis-lui merci. Dieu est bon. Jésus est bon. Amen. Seigneur, prenons place. Tu sais, quand tu reçois la guérison, ne sois pas timide. Lève-toi pour témoigner le nom de Jésus. Quand tu témoignes le nom de Jésus, Satan sait qu'il ne peut plus toucher ton corps. Les démons de maladie savent que cette affaire-là est finie. Ça, c'est la puissance du témoignage. Quand tu témoignes le nom de Jésus, Jésus qui te délivre, Jésus qui te guérit, l'ennemi sait que ton corps ne lui appartient pas. Nous poursuivons ce programme jusqu'à dimanche. Je vous invite encore de venir plus nombreux demain. En sortant, le protocole va vous remettre le flyer qui reste encore. Prenez 3 flyers et ramenez 3 personnes demain. Ramenez 3 personnes samedi. Ramenez 3 personnes dimanche. Il y a des personnes qui souffrent. Soyez à l'image des 4 amis du paralytique qui l'ont accompagné auprès de Jésus pour sa guérison. Et vous serez un canal de bénédiction pour le salut de quelqu'un, pour la guérison de quelqu'un, pour l'élévation de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un. Faites-les avec amour et Dieu vous rendra votre bénédiction. Vous avez reçu ces enveloppes Explore, Jubilé, et donc n'oubliez pas, n'est-ce pas, de préparer votre offrande à Dieu. Il s'agit d'une offrande pour la percée, parce que comme vous le savez, Explore, c'est une saison de percée, de grâce, explosion, non seulement des miracles, mais aussi des dons, des talents, des grâces. Quand vous regardez nos chantres aujourd'hui, nos musiciens aujourd'hui, ce n'est pas la chorale que vous avez connue il y a 6 mois. Parce que l'explosion doit commencer là. N'est-ce pas? Alléluia! L'explosion doit commencer là. Et l'explosion, là, l'explosion est en marche. Et l'explosion doit descendre. Donc préparez votre enveloppe Explore. Vous pouvez rendre cette enveloppe demain, samedi ou dimanche. Et je profite pour vous annoncer la bonne nouvelle. Le bishop Philippe Coty est arrivé d'Abidjan ce matin. Et donc demain, il sera le nôtre. Donc voyez-vous que le travail continue. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs. Mais Jésus avec nous, nous allons faire des exploits. Donc demain à 19h, le culte commence. Et nous voulons commencer à 19h pour finir de bonne heure. Pour ce soir, je vous invite à préparer votre offrande. Et si vous êtes prêt avec votre enveloppe Explo, vous pouvez la rendre. Sinon, préparez votre offrande, une offrande volontaire pour le Seigneur, une offrande d'action des grâces pour des guérisons et tout ce qu'il est en train d'accomplir en ces lieux. J'invite la chorale, alors que nous nous levons pour offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je ne vous vois pas acclamer le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer là où il est? Maintenant on y va. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie dans
du Seigneur. Oh, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je dansais, je dansais. Nous sommes au quatrième jour depuis que le programme a commencé et le deuxième jour en présentiel. Mais l'Éternel est merveilleux, alléluia. Et nous voulons aller jusqu'au bout. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc nous allons nous retrouver demain, vendredi et après-demain, samedi et le dimanche. Donc il nous reste encore 3 jours. Pour vivre la bonté de l'Éternel. Amen. Donc, sois là demain à 19h et samedi, nous sommes là à 17h. Le dimanche, nous avons nos 2 cultes. Donc, vous pouvez vous inscrire pour choisir l'un des cultes. Le premier culte commence à 9h30 et le second culte à 11h30. Donc, si nous sommes là, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Gloire à Jésus, nous arrivons à la fin de notre culte. Je rappelle que nous avons la navette de l'église qui fait la navette jusqu'à la gare. Donc, si vous n'avez pas le moyen de transport personnel, vous pouvez attendre d'être déposé à la gare. Nous allons prier pour la fin de ce culte. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ton amour que tu as manifesté encore au milieu de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton peuple qui reçoit, ô Seigneur, ce que le monde ne peut pas donner,
ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas donner. Seigneur notre Dieu, nos regards se tournent vers toi. Tu es le Dieu de notre salut. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Nous te présentons les offrandes, Seigneur. Merci de les agréer et qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Garde-nous dans ton amour, nous bénissons notre retour et que nos maisons soient bénies, ô éternel notre Dieu. Et si tu permets encore que nous puissions nous retrouver là demain, nous ne manquerons pas de te glorifier, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Soyez bénis, à nous revoir demain à 19h.